Bonjour Blessing, votre récolte de pommes de terre est impressionnante. Quel est votre secret? Bonjour Kuria, tout est dans la semence que je produis par le biais de poutures apicales racinées. Je n'en ai jamais entendu parler. Qu'est-ce qu'une bouture apicale racinée? Elles sont juste comme des plantules. Elles sont produites à partir de plantes issues de cultures de tissus dans une serre. Elles sont propres et exemptes de maladies. Je les utilise pour produire mes propres semences de pommes de terre qui sont de meilleure qualité que les semences recyclées que j'utilisais auparavant. Vraiment? Comment est-ce que cela fonctionne? Bien, je les ai achetées chez les producteurs de boutures et je les ai plantées dans un champ. Chaque bouture produit entre 10 et 15 tubercules selon les variétés. Les boutures produisent des tubercules de haute qualité lorsqu'ils sont plantés dans un champ sain. Je le crois. Regardez juste vos rendements. Je n'ai jamais obtenu un tiers de ce que vous avez produit. Comment est-ce que je peux commencer avec les boutures apicales racinées? Les boutures racinées aiment vraiment le soleil. Donc, évitez les zones ombragées pour les faire pousser. Plantez-les dans un endroit protégé, à l'abri des animaux et des eaux de ruissellement de parcelles situées en amont. Il est également recommandé de ne pas planter dans une zone où des pommes de terre ou toute autre culture de la famille des pommes de terre ont été cultivées au cours de la saison précédente. Est-ce qu'elles poussent dans n'importe quel type de sol? Bonne question. Cherchez un sol argilo-sableux, fin et meuble, avec un accès facile à l'eau d'irrigation. Cela semble prometteur. J'aimerais commencer. Quel conseil est-ce que vous avez pour moi? Une bonne préparation du terrain est très importante. Elle aide à établir des boutures plus rapidement. Il faut briser les grosses mottes de terre en petits morceaux pour faciliter l'établissement et la croissance des boutures. Veillez à bien mélanger l'engrais avec la terre pendant la plantation. Est-ce que je dois prêter le sol avant de planter? Excellente question. Oui, c'est très important. Vous devez traiter le sol avec des insecticides pour gérer les vers gris avant la transplantation et une semaine après ou selon les besoins. Et comment est-ce que je répique les boutures? Le meilleur moment pour planter les boutures est en fin d'après-midi quand il n'y a pas trop de soleil. Enterrez le collet et ne laissez que le feuillage supérieur au-dessus du sol. Si le sol n'est pas déjà humide, arrosez les plantules immédiatement après plantation. À quelle distance est-ce que je dois espacer les boutures? Vous pouvez utiliser des billons espacés de 75 cm. Elles doivent être plantées à 30 cm de distance. Mais est-ce qu'il ne serait pas mieux de planter les boutures de façon rapprochée? Est-ce que cela ne me donnerait pas plus de semences à deux pommes de terre? Non. L'espacement influence votre rendement parce que vous voulez donner aux boutures l'espace dont elles ont besoin pour s'étendre et faire pousser des stolons qui produiront plus tard des tubercules. Si vous plantez les boutures trop près du bord du billon, elles n'auront pas assez de terre pour couvrir des stolons. Les stolons qui ne sont pas recouverts se transforment en tiges au lieu de former des tubercules. Cet espacement nous permet donc également d'obtenir suffisamment de terre pour le butage. Et combien de fois est-ce que je dois les arroser après les avoir plantés? Continuez à les arroser chaque matin et chaque soir jusqu'à ce que les plantes soient complètement établies. Si les boutures ne reçoivent pas assez d'eau pendant qu'elles s'établissent, elles risquent de mourir. À quelle fréquence est-ce que je dois faire le cerclage? Le cerclage juste après la plantation peut endommager la culture. Donc, si les mauvaises herbes n'affectent pas la croissance des boutures, il vaut mieux les laisser tranquilles. Mais certaines mauvaises herbes sont nuisibles. Est-ce que je les laisse aussi tranquilles? Non. Il faut les éliminer dès qu'elles apparaissent, mais en veillant à ne pas blesser la plante. Ces mauvaises herbes peuvent être enlevées en les arrachant ou en passant un râteau entre les plantes. Et l'utilisation d'herbicides, cela ne va-t-il pas réduire le travail? Non. Les herbicides peuvent avoir des conséquences désastreuses sur les boutures. Je sais que les herbicides sont efficaces dans un champ de pommes de terre, mais les boutures sont un matériel de plantation délicat et sensible. Même une très petite quantité peut se répandre et endommager totalement la bouture. Un autre conseil?
Oui, je recommande vivement de faire le butage. Cela permet d'ameublir le sol et d'améliorer la formation et le grossissement des tubercules. Cela permet également d'obtenir les tubercules de taille uniforme, ce qui facilite leur commercialisation. N'oubliez pas que si vous ne couvrez pas le stallon, il ne produira pas de tubercules. Quels sont les bons moments pour faire le butage? Faites le butage lorsque le sol n'est pas trop humide pour éviter le compactage ou l'agglutination du sol. Le premier butage doit être effectué 2 semaines après la plantation de boutures, ce qui correspond également au premier sarclage. Et comment former les buttes? Vous les formez en excavant la terre entre les lignes espacées de 75 cm et en la mettant uniformément autour des boutures. La première butte aura une hauteur d'environ 15 cm. Veillez toujours à ce que le collet de la plante soit enfoui dans la terre et faites attention à ne pas endommager les racines et les stolons. N'utilisez pas de houe ou de pelle autour de chaque bouture. Vous devez répéter le butage 2 à 3 semaines après le premier. La butte devrait mesurer environ 30 cm de hauteur et 35 cm de large après le deuxième butage. N'oubliez pas de recouvrir vos pommes de terre à ce stade. Pour augmenter le rendement des boutures, il est recommandé de procéder à un troisième butage 2 semaines après le deuxième butage. Comment est-ce que je peux savoir quand mes tubercules sont prêts à être récoltés? Vous devez vérifier régulièrement la taille de vos tubercules. Lorsque vous voyez que les 3/4 des tubercules sont de la taille d'une semence, c'est-à-dire de la taille d'un œuf de poule, les plantes peuvent être défanées. Parlez-moi de cela. Vous détruisez la partie aérienne, mais vous laissez les tubercules dans le sol pendant 10 à 14 jours supplémentaires pour que la peau durcisse. Quel est le meilleur moment pour la récolte? La récolte doit se faire en temps clair et ensoleillé. Le soleil aide les tubercules à durcir et à sécher plus rapidement. Creusez doucement lorsque vous récoltez pour éviter de blesser les tubercules. Merci beaucoup. J'ai envie d'essayer cela sur mon propre terrain. Peut-être que l'année prochaine, j'aurai des récoltes aussi abondantes que les vôtres. Je suis heureuse d'apprendre que vous avez l'intention de commencer. Vous pouvez commencer à petite échelle, même avec 200 pièces. Un de mes amis l'a fait en les plantant dans un lit surélevé d'une largeur de 1,5 m. C'est vraiment facile à arroser et le taux de survie de boutures est élevé si vous êtes encore en train d'apprendre à les gérer. Intéressant! Dois-je toujours planter des buttes si j'ai utilisé un lit surélevé? Absolument! Le butage est essentiel pour augmenter le rendement des pommes de terre, quelle que soit la méthode de plantation.